Actuellement à l'affiche de la série de Canal Plus de Jonathan Cohen, Le Flambeau, Ramzy Bedia est un visage connu et reconnu de l'humour en France. Célèbre pour son duo avec son complice de toujours Éric Judor, la carrière du comédien aurait pu prendre une tournure bien différente s'il n'avait pas connu un passage en hôpital psychiatrique. « Je ne voulais pas faire l'armée et donc j'ai tout fait pour me faire réformer », avait-il commencé à expliquer pour nos confrères de Brut en 2019 lorsqu'il avait été interrogé sur cette phase étonnante de sa vie. « J'ai quand même fait 3 mois d'armée et ils m'ont dégagé. Ils m'ont dit t'es réformé mais tu ne retournes pas dans la société civile, tu vas à l'hôpital psychiatrique civil », s'est souvenu celui qui a grandi à Gennevilliers, en région parisienne. Une étape qu'il pense passer dans un premier temps sans encombre, en expliquant sa situation. Grave erreur de jugement. Quand je me suis réveillé sans lacet à l'hôpital psychiatrique, je leur disais oh non mais attendez, moi j'ai juste déconné, c'était pour pas faire l'armée. Et là ils m'ont dit ouais ouais si esti ça tu verras un psy dans 15 jours. Ce qui est bien arrivé à l'humoriste qui a expliqué avoir vu un psychiatre tous les 15 jours pendant 3 mois et demi. Un choc pour celui qui est désormais papa de 4 enfants. Là ça m'a changé la vie, parce que l'hôpital psychiatrique s'y est-il pas un bon souvenir, confiait-il. Au début tu rentres parce que t'as déconné un peu et après tu te demandes, est-ce que je suis vraiment fou ou pas. S'y est-il là que j'ai beaucoup lu, ça m'a sauvé la vie. Lire et ne plus traîner avec les fous. Dès que j'ouvrais la porte, il y avait que des oufs, ça criait. Une période sombre que Ramzy ne renie pas vraiment et regrette encore moins. Sans tout ça je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, a-t-il conclu avec philosophie.